Salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve pour le 9e épisode. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Le 9e épisode sur Ratchet & Clank. Donc sur une nouvelle planète, donc une planète de chaleur, quoi, de lave. Avec une musique bien sympathique. J'aime beaucoup les musiques de Ratchet & Clank, toute la bande son de toute façon, les effets sonores, le doublage de voix, franchement c'est quand même assez complet quoi. Donc je sais plus le nom de la planète, on va aller regarder ça de suite. Alors Gaspard, oui voilà, donc la dernière fois nous étions sur Battalia, dans une guerre un petit peu bizarre, quoi, où il y avait des vaisseaux qui attaquaient une ville, la ville de Fort Krontos. Voilà, et pour délivrer la ville, il fallait que je m'infiltre dans le centre. Et pour m'infiltrer dans le centre, il faut que je passe par les égouts et obtenir donc des bottes métalliques que je puisse marcher sur les murs en fait. Chose que je n'ai pas, que je ne peux pas trouver dans Battalia. Donc du coup, j'y reviendrai plus tard. J'ai trouvé deux inforobots, la vidéo précédente, donc c'était celle de Gaspard, donc celle où on est, et celle de Orkson. J'ai choisi de prendre Gaspard en premier pour trouver un aérocasque. Et il y a deux boulons à trouver, hein, il me semble. Mince. Je vais vérifier. Gaspard, ouais, deux. Voilà, Orkson aussi. En général, il y en a deux. Hein. Donc voilà. Donc à suivre. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, lui? C'est quoi ça? J'ai une super affaire pour vous aujourd'hui. Le repousseur. Ça, c'est de la balle. Le ravageur. Oh, non, je vais garder mes armes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ok. Allez, ça commence bien, il y a des petits partout. Alors, on va remonter vite, voilà. Parce que j'ai cru voir un autre passage. Il m'a l'air beaucoup plus attractif, même si le saut est... C'est un beau saut, ouais, voilà, c'est ça. Je me suis un peu planté dans mon saut, mais... Voilà, a priori, ça passe de justesse. D'accord, et en fait, il fallait faire le tour. Ouais, cette plateforme ne monte pas. J'ai quand même y aller. Ouais, voilà, il y avait un petit... terre-plein juste en dessous de la plateforme principale de départ. Et voilà. Bon, bref. Allez. On va commencer par ce côté-là, parce que ça m'a l'air beaucoup moins chargé en ennemis. Et on va commencer pépère. Alors. Ok. Ah, il me faut un swinger. Il est là. Voilà, ça bouge pas. C'est tranquille. Je me demande si on peut aller sur la petite île à droite, hein, j'en sais rien. Oh, je pense pas. Allez. Voilà, j'ai cru que t'allais pas t'actionner. Voilà, que la difficulté augmente considérablement hein, à chaque niveau. C'est pas gagné. Alors, vous voyez ces espèces de vaisseaux là, il faut réussir à casser tous les fils là, carburant là, ça va péter le vaisseau. Ça dégage. Voilà, ça. Et ça va péter, voilà. Pas ce que je voulais comme plateforme, mais bon. Non, ça ne tient pas ici. Peut-être qu'il faut péter ici alors. On verra bien, hein. Peut-être que ça fera apparaître des plateformes un peu plus proches. Ah non, il y a un swinger, j'avais pas vu.
J'ai voulu voir s'il y avait un swinger sur le côté, mais il y en a pas. Donc je sais pas si on peut aller là-haut. Je crois pas. Avec la caméra, je regarde si on peut se choper des trucs. Apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de boulon doré, il n'y a que dalle, hein, donc on se pose pas de questions, on continue. La question peut se poser, j'aurais dû faire en premier au lieu de perdre une vie bêtement. Bon, a priori, j'ai rien loupé. Allez. Alors là, il y a des bébés. Ça, je peux voir. Si. Un petit peu de vie. Je n'étais déjà plus qu'à la moitié de ma barre. Là, ça s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Rien. Ça se fait pas. Bon. Sur les côtés, il faut bien tout vérifier, hein, parce que je veux louper ni un boulon doré, ni un carburant, parce que si on loupe les carburants, il faut revenir en arrière. A priori, il n'y a que dalle. On continue, je vais vérifier vite fait sur la plateforme sûre. Rien qui brille, je vois pas de vaisseau. Allez, on continue. Alors. Allez, là, on change complètement de cap. Ouh, c'est limite là. Ouais, je pense pas qu'on puisse tourner avec le swinger quand on se balance. Ça fait une certaine linéarité d'un côté. Déjà, bon, après le jeu n'en a pas, hein, mais... Quand on suit un passage, oui. En fait, on a plusieurs choix de passage, mais... Mais après, une fois qu'on l'a choisi, c'est quand même assez linéaire. Oh, ça fait peur. Alors là, faut pas oublier ça. Hop. Là, par contre, j'espère que je vais pouvoir remonter. Bon, oui, mais on sait jamais. Voilà. Là, il y en a un deuxième. Là, voilà, il y a là. Alors, ça laisse place un swinger ici. De l'autre côté, il y a que dalle. En bas, c'est d'où je viens normalement. Je vais quand même aller voir vite fait. Ouais, il y a que dalle. Bon, je préférais m'en assurer quand même. De toute façon, je serai de plus en plus sur mes gardes, là, maintenant, donc... Désolé si je perds un petit peu de temps, j'aimerais ne rien oublier. Ouais, c'est très compliqué de tourner avec le swinger. Ici, il n'y a que dalle. Ah, j'ai entendu un petit bébé. Un bébé chien robot. On va les appeler comme ça. Voilà. La clé est assez efficace contre ces ennemis. Putain, voilà. Ok. Alors allons par là. Est-ce que je peux accéder de l'autre côté? C'est là où j'étais, non? Ça monte ou ça descend? Ça a l'air de monter. Ouais, ouais, c'est là où je suis. Ouais. Ok. Alors, il y a un petit carburant sur ma droite. Est-ce que je peux le choper? Je peux le choper de où? De la plateforme suivante. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, non. Je vais la reprendre. Je vais remonter. Et je vais faire un saut. Des espèces de... Voilà, avec ça. Ça passe. Hop là. Je vais laisser aucun vaisseau. Ma plateforme, mais il n'y a que dalle. Et de là, je peux revenir sans problème en bas. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Des boulons.
Avec plaisir. Merci tout. Ça, on pète. Pour l'instant, je trouve que je suis pas trop mal. Il y a encore des vaisseaux approvisionneurs là-bas. Un petit swinger. Ouf. On ne traîne pas. Là, dégage. Alors là, je vois qu'il y a un boulon doré en face. Donc celui-là, je vais essayer de me le choper. On va essayer de péter le côté. Est-ce que ça me donne des plateformes si... Ouais, ça devrait être bon normalement. Allez. Bon, j'ai perdu une vie, mais je l'ai chopé. Boulon en or acquis. Ça faisait longtemps que je l'avais pas trouvé. Je suis content. Allez. Hop. Ramène-moi. Qu'est-ce qui me ramène là? Il va me ramener au début du parcours quand même. Qu'est-ce qui me ramène là? J'ai pas fini. Eh hey. Oh non. Je veux pas aller là moi. Oh non. Je peux pas le remplir. Ah si. Allez. Retourne-moi. Remets-moi là-bas. S'il te plaît. En fait, c'est un secret sans en être un, puisqu'il me ramène directement dans un autre embranchement. Eh, mais j'ai pas fini moi, j'ai encore un vaisseau à péter là. Ah. Ouais, donc je peux sauter, contrairement au taxi, je peux sauter de ces trucs là, mais bon. Le saut n'est pas du tout précis, ouais, j'aurais dû péter celui-ci avant de partir. T'as gagné un point de compétence. Je sais plus du tout à quoi ça sert ça. Alors là. C'est la liste des gadgets, ça, mais en les points de compétences, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je ne m'en rappelle plus. Je crois que ce sont des sous-objectifs cachés. D'accord, c'est pour ça que j'ai perdu une vie, il aurait fallu que je bute tous les trucs avant. Donc ok, bon bah... péter tous les vaisseaux compte comme un sous-objectif quoi. Donc en gros, dans tous les niveaux il y a des sous-objectifs que je n'ai pas fait parce que il y a des compétences cachées et quand on les fait il y a des points. Bon bah j'y pensais pas du tout à ce truc là. Alors salut mon gars. Je suis canardé. Alors là, je crois... Ouais, voilà. Non, là, je suis revenu au tout début, donc dans le passage que je trouvais un petit peu... compliqué avec les ennemis qu'il y avait. Ouais. Oh là là, il faut avoir bêtement. Ah, ok. La tourelle. Je peux pas avoir des gros vaisseaux. Je vois pas d'ailleurs que c'est un point de compétence, hein, choper des vaisseaux là, comme ça.
Ouais, je crois qu'en si je chope avec la tourelle, je sais pas combien de vaisseaux qui volent, c'est des sous-objectifs. Je remporte un autre point de compétence comme celui de tout à l'heure. Et donc là, j'ai non, j'ai pas d'autre chemin. Là, je crois que c'est une sortie, ça plutôt. D'accord. Ça m'arrange d'un côté. Hein. Je ne remonte pas là-dedans, par contre. Ah, il a peut-être fallu que je la casse un petit peu plus. Voilà. Ah oui, je me rappelle de ces trucs. Ah, ça c'est pète-couille ça. Bon, je reprends là. Allez, venez vous. Bon. C'est pas très grave. Attends, petite tourelle. Je prends mes petits boulons. Ça se fait ça. Alors. Je vais prendre mon gant à mine. J'ai balancé une ligne pour rien, c'est resté cloîtré dans le... Ah la vache! Bon, finalement il m'a servi, mais bon... Ah non, il est là, c'est pas grave. Moi c'est surtout pour ça. Bon. Ouh, ça va être pénible ça. Attention. Ouh, punaise, j'avais pas vu. Ah là là, je sens que je vais en baver à ce niveau. Oh. Il n'y a pas d'autre. Ah si, il y en a un autre. On va faire comme ça pour l'instant. C'est inutile. Bon, il va bien falloir regarder où se trouvent ces boules noires là, parce que c'est pas facile à buter. Alors, il y a d'autres. Ah, parce que ça, une fois que ça vous prend en chasse, c'est... C'est la panique. Alors. On dit ça. On peut rien viser d'autre. Allez. Ouais, il faut piller déjà mon rachette. Donc là, c'était le parcours où j'étais au début du jeu, hein, de l'autre côté. Nous, on continue. Alors, ouais, il va falloir que je trouve des vies. C'est urgent. Là, c'est un peu bloqué par les espèces de marches. Oh là là, il y en a partout. Oh non! Oh là, et puis je reprends là en plus. Ouh, les amis, je sens que cet épisode va être long. Donc, je
je pète ça là. Ouf. Ah là, on commence à rentrer dans les niveaux difficiles. Et donc voilà. Ah, les boules de... Les boules de mine là, c'est horrible. Alors attendez, je vais essayer mon ravageur. Ouais, mais le problème c'est qu'ils sont vachement fidèles, le truc. Bon. Quand on utilise plusieurs mines, ça joue le jeu, quoi. Il en reste même une. J'ai pas été touché, mais bon. C'est parce que je me suis bien enfui, hein. Alors il y en avait un petit qui m'avait eu par derrière. Alors ça. Ouais, je l'utilise beaucoup plus que ce qu'il m'en faut, quoi. Ouais, si je les attire, mais bon. C'est un peu une perte de temps, j'ai envie de dire. Bon, il y en a encore un. Voilà. Finalement, je les ai utilisés, mais bon, il y en a encore un là. Non. Bon, le prochain est de l'autre côté. Donc là, j'ai utilisé mon plafond mitraille. Ah, il vient me voir, hein. Il vient me voir en paffé. Si je lui tire dessus et qu'il n'est pas mort, il traverse la lave. Là, c'est... C'est vraiment la gamme au-dessus de tous les autres ennemis que j'ai eu. Ouais, on reste pas là. Oula, attention. Ah, si je commence déjà aussi à me chibrer dans les sauts faciles, on ne va pas y arriver. Allez, 23 minutes, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Bon. Bon, ça. Là. Un. On va essayer le dévastateur. Ne se sont pas mis en marche. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une mine qui n'a servi à rien? Ah non, apparemment c'est bon, j'en ai jeté pile le bon volume. Oh, je me disais aussi que c'était beaucoup trop calme. Allez, passez-moi des munitions. Là, on va se... On va se protéger. Oh, le salopard. Je crois qu'il y a une vie au fond que je me suis... que je n'ai pas utilisée. Je vais aller la chercher parce que là...
Allez. Voilà. Est-ce que je peux péter ça? Non. Ah, le moindre choc, c'est fatal. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Comment ça arriver dans le difficile? Je vais essayer le pyro-lanceur. Voilà, là, 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 là. C'est pas la bonne solution. Je pense que la clé c'est pas mal, en plus ils se tirent dessus mutuellement. Aïe aïe aïe. Il en reste deux. Ah, c'était limite. Alors heureusement que je suis allé chercher la vie, hein, parce que alors là, ça aurait été foutu. Alors, il n'y a pas de... Non. Je tire de l'autre côté, on sait jamais. Je détruis tout. Ah, il y a des munitions. Bueno. Alors, il y a des caisses là, je vais éviter. Voilà. Le spécial. Ah, quand même. Quelques petits bouons, mine de rien. Alors, il y en a un. Ah, mais il y a des vieux. Alors, t'es tout seul? Ah non, 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 t'es pas tout seul. Je vous ai vu. Je fais attention parce qu'il peut m'attendre. Oh la vache! C'est vraiment horrible ces trucs, hein. Attention à lui. Tout seul. Il devrait pas. Voilà. Alors. J'en ai un vaisseau. Un peu mal en point. Voilà, je peux pas aller là. Donc là, si je descends, bah, c'est pour revenir là où j'étais tout à l'heure. Donc on va éviter, ça sert à rien. Ah, il y a un truc là. Un bonus. Allez, Ratchet, tu vas avoir une nouvelle petite santé là. Voilà, ça fait du bien déjà. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ouais! Alors ça, c'est cool! Tu possèdes un aérocasque de fabrication Blarg. Il te permettra de piloter des jets à réaction par induction neurale. Oui. Mise encore. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais... Jet Blarg, développé par les Blarg. L'aérocasque est une interface neurale directe. Non, de piloter des Jet Blarg. Le panneau de contrôle est sympathisé. Carré est permis d'utiliser des mitrailleuses. On lance missiles et croix d'accès. Ouais, bon, je pense que c'est un objet de quête. Pour l'instant, je vais faire l'équipe. Bon.
Ouais, là, je reviens au début. Donc là, c'est pas fini. L'objectif que là, je suis obligé de retourner au vaisseau pour aller aux objectifs. Ça, c'est un peu pénible. Donc c'est pas fini. Donc moi, j'arrive de là. Et là, si vous voyez bien, il y a un trou au milieu de la lave. Et ben, c'est là où on va aller. Allez. Toi, bouge pas. Alors, je vais un peu visiter ce qu'il y a là. Ok. Allez. Hop. Vous arrêtez de pousser. Faut vraiment faire des allers-retours. Hein. Il y en a bien un qui m'a échappé en plus. Ah, ils sont tous devant moi. Ouh, joli. Comme au baseball. Ah. Oh. Je crois que c'est le passage le plus compliqué du niveau, de toute façon. Il me semble que je suis mort pas mal de fois ici. Alors là, il y a un paquet de gars qui tirent encore. Là. Attention, je parle pas beaucoup, je suis désolé, mais je reste concentré. J'essaye. Je suis pas là. 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 On recule. Je suis pas là. Ah. Oh là 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 là, il va me falloir des vies là. Il y en a partout. C'est la panique. Ouh. 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 Putain. Ah, j'en ai encore. J'en entends encore. Ici. Et là. Je crois qu'il y en a encore un derrière. Non. Waouh. Alors là, je sais pas comment j'ai fait, hein, les amis. J'ai eu un taquet de réflexe. Et je crois que j'ai la première fois que j'avais fait le jeu ici, je suis resté coincé pendant je sais pas combien de temps. Oh, vache. Bon, j'espère qu'il y a des points de passage automatiques, hein, parce que alors là, je vous raconte pas l'histoire. Ah, te voilà, boulon doré. Ouais, donc c'était un parcours juste pour un boulon, quoi. Et donc là, il y a un paquet de trucs pour pistons mitraille, avec tous les ennemis qui sont en bas, ils nous fournissent ça, mais bon. Voilà. Et puis ça revient juste en haut du vaisseau. Voilà. Bon, bah au final, je m'en sors pas si mal que ça. Bon, bah normalement, ce niveau, j'en ai fini, quoi. J'en ai terminé. Alors, on va voir. Hein. Planète Gaspard, dépôt Blarg, trouver l'aérocasque, bah, c'est ce que j'ai fait. Deux boulons sur deux, donc la planète Gaspard, j'ai pu y retourner, c'est fini. Donc celle-ci, on peut la mettre dans la popoche. Donc l'objet que j'ai trouvé n'a rien à voir avec Battalia, la vidéo précédente. Donc là, il va falloir que j'aille à la raffinerie de Kogor sur la planète Orkson. Et donc on va y aller. Donc je vais m'y rendre maintenant, comme ça ce sera fait, j'aurai pas besoin de le faire.
Voilà, planète de lave. Attends, j'en reviens pas des réflexes que j'ai eu avec tous les ennemis qui me tiraient dessus. Ah, et puis ces ennemis là avec les boules, espèce de mine là, ça c'est mortel. Alors vous voyez, Ratchet a retenu sa respiration pendant que le sas se ferme. Donc Clank va devoir aller en comment on appelle ça? En observateur. Oh, il y a un truc en bas, il y a un four au bout. En éclaireur, voilà, cherchez le mot, en éclaireur. Mais ça, ce sera pour l'épisode suivant. Donc j'espère que cet épisode sur la planète de lave vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur mes performances incroyables, à vous abonner à ma chaîne et à aimer ma vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode sur Ratchet & Clank sur PlayStation 2. Ciao tout le monde.